Il est recommandé que le conseil municipal adopte le projet d'organisation de la 6e édition du Festival international de Porto-Novo FIP 2023. Autorise la secrétaire exécutive à décaisser la contrepartie de la ville pour l'organisation de la 6e édition du Festival international de Porto-Novo FIP 2023. À la suite du succès incontestable de l'organisation de la 5e édition du Festival international de Porto-Novo, en janvier 2022, le chef de l'État, à travers ses deux chargés de mission, délégués pour accompagner la parade des cultes et masques du FIP 2022, a recommandé l'organisation annuelle de cet événement pour rester en lien avec sa vision dans le PAG 2, qui vise la promotion de la destination Bénin, alors que la troisième session ordinaire du Conseil communal de l'année 2021 avait projeté de l'organisation du FIP en biennale. Les conseillers communaux de la municipalité de Porto-Novo ont tenu ce vendredi 30 décembre 2022 une session extraordinaire. Au menu de cette session, l'organisation de la 6e édition du Festival international de Porto-Novo FIP. Au total, les conseillers ont réfléchi sur les mécanismes de la réussite de l'édition 2023. Depuis 2017, on a commencé par organiser le Festival international de Porto-Novo qui aujourd'hui est un label de la ville. Et ce festival nous permet de révéler davantage les valeurs culturelles et patrimoniales dont dispose notre ville et même tout le Bénin. Et donc, vu l'ampleur que prend le FIP désormais, et la commune a décidé chaque année de porter l'événement et par conséquent, on délibère pour apporter la contribution de la ville à laquelle s'ajoute la contribution des partenaires. Et donc pour cette édition-ci, nous avons eu la chance d'avoir l'accompagnement de l'ambassade de France pour la professionnalisation. Donc ce serait la parade que nous appelons communément la déambulation va connaître beaucoup d'améliorations. Des experts sont recrutés et travaillent actuellement pour qu'on ait une bonne prestation et aussi pour ce qui concerne les autres activités du festival. Si nous avons un appel à donner ou si nous avons une assurance à donner, c'est-à-dire que le festival c'est notre chose et pour cette année ce sera encore plus époustouflant que l'édition passée. On aura une édition meilleure, on l'espère très bien et ça ne saurait se réaliser sans l'implication des uns et des autres, sans la participation du public et sans l'appui des différents partenaires. Donc rassurez-vous, même au niveau de l'État, au niveau central, le FIP est désormais inscrit comme une activité majeure. Donc ce n'est plus une activité menée par la ville de Porto-Novo. Maintenant, notre souhait, c'est de faire en sorte que les années à venir, qu'il y ait une entité pour permettre de conduire les activités du FIP dans la sérénité avec des professionnels. Pour le maire de la ville de Porto-Novo, l'édition 2023 sera une réussite et les experts sont conviés pour y réfléchir.